Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. En ce 26 janvier 2021, oracle Umrazahi, 5 cartes tirées principalement hier et la dernière aujourd'hui. La première correspond au numéro 21, c'est-à-dire à la carte Le Monde dans le tarot de Marseille, qui est une très bonne carte. Magie divine de la Dakini, c'est une carte qui revient souvent, magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Deuxième carte, mon corps, mon temple, mon royaume, mon corps, mon temple, mon royaume. Mon corps, mon temple, mon royaume, que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Que chacun de nos actes et de nos gestes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Troisième carte, la porte de la vie. Donc à la fois mon corps, mon temple et mon royaume, c'est la carte qui correspond à la carte du tarot numéro 2. La carte du tarot numéro 2, qui est la papesse dans le tarot de Marseille. La porte de la vie avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. La porte de la vie avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. La porte de la vie avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. La carte, la porte de la vie, elle ressemble en fait à une matrice, en fait, une sorte de vagin, en fait. La carte, mon corps, mon temple, on voit une femme de dos, nue, les bras écartés, en tailleur. Et c'est aussi une femme, le Dakini est une femme sur la carte numéro 1, donc c'est très féminin. Encore la féminité avec la carte art, magie et mystère. Art, magie et mystère. Art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre. Art, magie et mystère d'être femme et homme sur cette terre correspond à la carte 7 du tarot qui est le chariot, qui correspond notamment à la victoire, le chariot. C'est encore une femme qui est représentée. Enfin, dernière carte qui correspond au numéro 10, c'est-à-dire la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Évolution et rêve. Évolution multiple. Évolution et rêve, évolution multiple. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Je commence par la signification simple, non détaillée de ces cartes et je passerai ensuite par la signification donc détaillée de ces cartes. La première, magie divine de la Dakini. Je remercie vraiment les cieux, Dieu, les anges, les archanges, les saints, les devas mineurs, tous les élémentaux, le rayon rose d'amour divin, puisqu'aujourd'hui c'est rayon rose d'amour divin, pour ce début de journée en fait. Je suis sorti, dès mon réveil, je suis sorti faire des sortes d'invocations au rayon rose, notamment dans le jardin. Le jardin était un petit peu gelé, je marchais sans du tout salir mes chaussures, et c'était très bien, c'était la luminosité était très belle, le jour était levé, mais continuait en fait à devenir lumineux, on va dire. Et c'était très puissant, je suis resté un moment à faire des prières, des invocations, marchant dans le jardin, au-dessus du petit hôtel de pierre semi-précieuse que j'ai fait. Et c'était vraiment très très puissant. Donc je remercie grandement de cela. Je remets au pied de la croix toutes les actions, toutes les paroles que je vais dire et toutes les actions que je vais faire aujourd'hui pour que tout soit selon la volonté divine. Et une pour l'implantation du royaume de Dieu sur terre et pour le plus grand bien pour tous. L'ange du jour est Caliel, un ange de justice. Je demande la présence de mon ange gardien également, qu'il prie pour moi, qu'il prie avec moi, mon ange gardien. Je le remercie d'avance, mon cher ange gardien. L'Esprit de Dieu qui transforme toutes choses, rencontre le Seigneur partout, soit sans crainte, dit l'ange gardien. Rencontre le Seigneur partout, sois sans crainte, là où tu vas, apporte une vie nouvelle, la vie de l'Esprit Saint qui habite en toi. Rencontre le Seigneur partout, sois sans crainte, là où tu vas, apporte une vie nouvelle, la vie de l'Esprit Saint qui habite en toi.
L'Esprit de Dieu qui transforme toutes choses, il suffit que tu sois un instrument efficace à son service. Je t'assiste avec joie chaque fois que tu agis en instrument du Seigneur. Merci, 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 ange gardien. Donc j'ai parlé aussi donc à la personne qui est en train de traduire les premiers chapitres de mon livre qui s'appelle Karen, qui est au Canada. Et j'ai parlé justement parce qu'elle me posait des questions sur Job Square, Arturo Job Square. Et donc j'ai parlé un petit peu de ma foi, de Job dans la Bible. Puis ensuite, parce que c'est le passage où en fait le médecin me dit mais le problème c'est que vous voulez être plus fort que la mort. Et donc je lui raconte que ben, Jésus lui, il a vaincu la mort, que le Bouddha a enclenché la roue du Dharma pour arrêter la vieillesse, la maladie et la mort. Et que Krishna dit que en fait il n'y a que le corps qui meurt mais l'âme elle ne meurt jamais, et qu'on ne peut tuer l'âme. Rencontre le Seigneur partout, sois sans crainte, là où tu vas apporte une vie nouvelle, la vie de l'Esprit Saint qui habite en toi, l'Esprit de Dieu qui transforme toutes choses, il suffit que tu sois son instrument, un instrument efficace à son service. Je t'assiste avec joie chaque fois que tu agis en instrument du Seigneur. Merci mon bon ange gardien, je te salue mille fois au nom de Jésus, je remercie Dieu de t'avoir créé si bon, si puissant et si disponible pour répondre à mon appel, gloire à Dieu. Bon, mon ange gardien, je t'en prie, fais-moi penser d'appeler la divine volonté dans chacun de mes actes de la journée. Si j'oublie de l'effectuer, fais-le pour moi, merci. Je m'appelle la divine volonté donc pour cet enregistrement. Mon saint ange gardien, toi que Dieu a fait si bon, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Mon saint ange gardien, toi que Dieu a fait si bon, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, mon ange gardien, amen. Mon ange gardien, mon bon ange, je te salue mille fois au nom de Jésus. Je remercie Dieu de t'avoir créé si bon, si puissant et si disponible pour répondre à mon appel. Gloire à Dieu. Mon bon ange gardien, je t'en prie, fais-moi penser d'appeler la divine volonté dans chacun de mes actes de la journée. Si j'oublie de l'effectuer, fais-le pour moi. Merci. Mon saint ange gardien, toi que Dieu a fait si bon, garde-moi, s'il te plaît, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Merci mon ange, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Donc, j'en reviens aux cartes de l'oracle Umrazai. J'en appelle à la divine volonté pour cet enregistrement, donc une nouvelle fois, et pour toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées aujourd'hui, et mes rêves de cette nuit. Plénitude et sérénité, tout est en ordre selon l'ordre universel, magie de la vacuité en présence de la Dakini, l'univers entier. Œuvre à votre destinée. Merci à l'univers entier de vrai à ma destinée. Je remercie la vie de remplir mon corps d'or, d'amour et de lumière. Merci, merci la vie. Plénitude et sérénité, magie divine de la Dakini. Plénitude et sérénité, tout est en ordre. Plénitude et sérénité, tout est en ordre selon l'ordre universel. Magie de la vacuité en présence de la Dakini. L'univers entier œuvre à votre destinée. Grâce et synchronicité, perfection céleste, le dessein divin est à l'œuvre. Grâce et synchronicité, perfection céleste, le dessein divin est à l'œuvre. Merci au dessein divin, merci à Dieu, merci à Jésus, Marie, les anges, les archanges, Krishna, Radha, Prabhupada, les Bouddhas, mes guides, mes anges, grâce et synchronicité, perfection céleste, le dessein divin est à l'œuvre. J'ai aussi publié quelque chose sur le Kairos et j'ai écrit sur Saint Paul, sur la conversion de Saint Paul. Merci de ce texte. Aujourd'hui, nous fêtons à la fois Saint Paul, Saint Timothée, Saint Tite. Priez pour moi, priez pour nous, Saint Paul, Saint Timothée, Saint Tite, merci. Magie divine de la Dakini, signification complémentaire, vacuité, sagesse féminine, grâce, synchronicité. Signification complémentaire, vacuité, sagesse féminine, grâce, synchronicité. Deuxième carte du jour, donc mon corps, mon temple, mon royaume, mon corps, mon temple, mon royaume, que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Mon corps, mon temple, mon royaume. Mon corps, mon temple, mon royaume. Consacrez votre corps avec amour afin qu'il devienne le digne temple de votre être flamboyant. Consacrez votre corps avec amour afin qu'il devienne le digne temple de votre être flamboyant. Il est le corps est le temple de l'Esprit Saint, de la volonté divine, du Paramatma. De Dieu en nous, de ce Dieu qui peut venir en nous, Jésus-Christ dans notre cœur
Krishna, toute cette divinité peut nous traverser et nous pouvons n'être que l'instrument de la divine volonté. C'est ce que je demande à Dieu, d'être l'instrument de sa volonté, pour mon bien, pour le plus grand bien de tous. Et l'imposition du royaume de Dieu sur terre. Mon corps, mon temple, mon royaume, mon corps, mon temple, mon royaume. Consacrez votre corps avec amour afin qu'il devienne le digne temple de votre être flamboyant. Consacrez votre corps avec amour afin qu'il devienne le digne temple de votre être flamboyant. Nous sommes responsables de notre état car nous sommes le roi en notre royaume. Notre royaume, ce corps est le siège de notre présence divine, ce loyal et fidèle véhicule de l'âme. Nous sommes responsables de notre état car nous sommes le roi en notre royaume. Notre royaume, ce corps est le siège de notre présence divine, ce loyal et fidèle véhicule de notre âme. Présence âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence âme, je suis un être de feu rose amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Présence âme, je suis un être de feu rose amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Signification complémentaire, respect, considération, dignité, bonté envers soi, conscience du respect et de la dignité de soi, amour de soi, de son corps, pensée, parole et action bienveillante envers soi. Respect, considération, dignité, bonté envers soi, conscience du respect et de la dignité en soi, de soi, amour de soi, de son corps, pensée, parole et action bienveillante envers soi. Signification complémentaire, mon corps, mon temple, mon royaume, respect, considération, dignité, bonté envers soi, conscience du respect et de la dignité de soi, amour de soi, de son corps, pensée, parole et action bienveillante envers soi. Merci. Ensuite, la porte de la vie, la porte de la vie, porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations, offre-moi ta connaissance sacrée. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations, offre-moi ta connaissance sacrée, merci. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations, offre-moi ta connaissance sacrée, merci. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations, offre-moi ta connaissance sacrée. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, merci. Vous avez besoin de libérer votre ara matrice du poids du passé pour pouvoir accueillir généreusement la vie. Votre puissance de vie réside dans votre matrice, source de toute vie, et demande à être libérée. Vous avez besoin de libérer votre ara matrice du poids du passé pour pouvoir accueillir généreusement la vie. Votre puissance de vie réside en votre matrice, source de toute vie, et demande à être libéré. Vous avez besoin de libérer votre ara matrice du poids du passé pour pouvoir accueillir généreusement la vie. Votre puissance de vie réside en votre matrice, source de toute vie, et demande à être libéré. Je demande au nom de Jésus-Christ à mes anges de libérer ma ara matrice du poids du passé pour accueillir généreusement la vie. Ma puissance de vie qui réside en ma matrice, source de toute vie, et qui demande à être libérée. Porte de la vie, porte de l'amour, nid de gestation de toutes mes créations, offre-moi ta connaissance sacrée. Donc ara, quand on dit Hare Krishna, ça vient de ara, ara, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je demande aussi la présence de l'ange Ara-El, du coup. Ara-El, Ara, Ara-El, Ara, Ara, Ara-El, Ara, Ara, Ara-El, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ariara, Ariara, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ariara, 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 Ariara et Mi Krishna, donc Mi Vishnu, Mi Shiva, Ariara, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ariara, Ara-El. Signification complémentaire, donc porte de la vie, puissance, accueil, honorer et être honoré, gratitude, gestation, renaissance, s'ouvrir au mystère du féminin et du masculin sacré.
Signification complémentaire, puissance, accueil, honorer et être honoré, gratitude, gestation, renaissance, s'ouvrir au mystère du féminin et du masculin sacré. Maintenant, art, magie et mystère. Art, magie et mystère. Art, magie et mystère qui correspond au chariot, réussite, talent. J'avance et je triomphe, je mets l'œuvre en mouvement, je mets mes talents en scène, j'œuvre pour ma vie, je mets toutes mes forces au service de ma direction, j'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Le triomphe de mon action est assuré car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ce don que la vie me prête. Au monde, je suis le triomphe de ma réalité. Le chariot réussit talent, j'avance et je triomphe, je mets l'œuvre en mouvement, je mets mes talents en scène, j'œuvre pour ma vie, je mets toutes mes forces au service de ma direction, j'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais, le triomphe de mon action est assuré car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création, ainsi je triomphe intérieurement de mes forces contraires dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ces dons que la vie me prête. Au monde, je suis le triomphe de ma réalité. Art, magie, mystère, artiste et artisan de notre vie, elle est notre œuvre créative la plus profonde. Artiste et artisan de notre vie, elle est notre œuvre créative la plus profonde. Artiste et artisan de notre vie, elle est notre œuvre créative la plus profonde. Notre première raison d'être ou mission de vie est de faire de notre vie une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Artiste et artisan de notre vie, elle est notre œuvre créatrice, très créative, la plus profonde, artiste et artisan de notre vie. Elle est notre œuvre créative et créatrice, d'ailleurs, la plus profonde. Notre première raison d'être ou mission de vie est de faire de notre vie une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Notre première raison d'être ou mission de vie est de faire de notre vie une œuvre d'art, un chef-d'œuvre. Signification complémentaire, mystère de la création. Chef-d'œuvre au pluriel, mystère de la création, chef-d'œuvre au pluriel, unir l'être et le faire, art, création, créativité artistique, art, création, créativité artistique, l'être d'être, l'art d'être soi, la magie de l'âme inspirée, unir le fond et la forme, l'esprit et la matière, l'art et l'union de l'être et du faire, de l'âme et de la personnalité. Signification complémentaire, mystère de la création, chef-d'œuvre au pluriel, unir l'être et le faire, art, création, créativité artistique, l'art d'être soi, magie de l'âme inspirée, unir le fond et la forme, l'esprit et la matière, l'art et l'union de l'être et du faire, de l'âme et de la personnalité. Mystère de la création, chef-d'œuvre, unir l'être et le faire, art, création, créativité artistique, l'art d'être soi, magie de l'âme inspirée, unir le fond et la forme, l'esprit et la matière, l'art et l'union de l'être et du faire, de l'âme et de la personnalité. J'avance et je triomphe, je mets l'œuvre en mouvement, je mets mes talents en scène, j'œuvre pour ma vie, je mets toutes mes forces au service de ma direction, j'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Le triomphe de mon action est assuré car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi je triomphe intérieurement de mes forces contraires. Dans une action engagée et engageante, j'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie, je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ces dons que la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité.
Cinquième carte, évolution et rêve, évolution multiple. Évolution et rêve, évolution multiple. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins, car en nous, tout est relié. Tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins, car en nous, tout est relié. Tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. Même si vous ne le voyez pas, lorsque vous avancez sur un sujet différent, vous avancez sur la problématique qui vous préoccupe, restez ouvert et multipliez les sources d'inspiration. Même si vous ne le voyez pas, lorsque vous avancez sur un sujet différent, vous avancez sur la problématique qui vous préoccupe, restez ouvert et multipliez les sources d'inspiration. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins, car en nous, tout est relié, tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. Même si vous ne le voyez pas, lorsque vous avancez sur un sujet différent, vous avancez sur la problématique qui vous préoccupe, restez ouvert et multipliez les sources d'inspiration. Signification complémentaire, lâchez prise. Faites-vous confiance, reposez-vous, créez, jouez, occupez-vous d'autre chose. Signification complémentaire, lâchez prise, faites-vous confiance, reposez-vous, créez, jouez, occupez-vous d'autre chose. Évolution et rêve, évolution multiple. Je vais passer aux significations détaillées. En commençant donc par magie divine de la Dakini, la première des cartes, magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini. Donc ça correspond à la carte du tarot Le Monde, qui est la meilleure carte du jeu de tarot. En principe, on dit que c'est la meilleure carte du jeu du tarot Le Monde. Magie divine de la Dakini, magie divine de la Dakini, première carte, magie divine de la Dakini, le monde, je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Merci, merci, merci. Pense à que je suis un être de feu rose, d'amour divin, je suis la pureté que Dieu désire. Plénitude et sérénité, tout est en ordre selon l'ordonnance universelle. Plénitude et sérénité, tout est en ordre selon l'ordonnance universelle. Réjouissez-vous, la vie appelle votre célébration. Je me réjouis, les choses avancent, merci, 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 je me réjouis de cela. Plénitude et sérénité, tout est en ordre selon l'ordonnance universelle. Réjouissez-vous, la vie appelle votre célébration. Alléluia, Hare Krishna, Alléluia, Hare Krishna, Jaya. Shri Krishna Chaitanya, Jaya, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Veta Gadadara, Shri Vasadigora Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Shri Krishna, Chaitanya, Siddhartha, Amo Eternaham. Jaya Shri Krishna, Chaitanya, Siddhartha, Amo Eternaham. Jaya Shri Krishna, Chaitanya, Siddhartha, Amo Eternaham. Sagesse et puissance de la Dakini, déesse dansante du cosmos étoilé. Sagesse et puissance de la Dakini, déesse dansante du cosmos étoilé, vacuité émanante, inspirée par le vide de l'univers, elle y puise ses forces et son infinie sagesse. Vacuité émanante, inspirée par le vide de l'univers, elle y puise ses forces et son infinie sagesse. Sagesse et puissance de la Dakini, déesse dansante du cosmos étoilé, vacuité émanante, inspirée par le vide de l'univers, elle y puise ses forces et son infinie sagesse. L'immense pouvoir de la Dakini lui vient de son abstraction totale de volonté de forme. Elle inspire et aspire en elle à l'universel. Elle inspire et aspire en elle à l'universel. Son accueil est total. Son émanation d'être emplit l'espace jusqu'aux confins de l'univers. Son accueil est total. Son émanation d'être emplit l'espace jusqu'aux confins de l'univers. Sa bonté touche de sa radiance les replis infinis de toutes les âmes jusqu'à ceux de l'âme universelle. Son accueil est total. Son émanation d'être emplit l'espace jusqu'aux confins de l'univers. Sa bonté touche de sa radiance les replis infinis de toutes les âmes jusqu'à ceux de l'âme universelle. En présence de la Dakini, l'univers entier œuvre à votre destinée. Merci à l'univers entier, à la Dakini d'œuvrer pour ma destinée. Magie de la vacuité et de la sagesse féminine en action. Magie de la vacuité et de la
sagesse divine en action, la Dakini danse, la grâce de sa magie divine, déesse magicienne, la danseuse du ciel vient de vous ouvrir ses bras, merci, offrez-lui votre rayonnance, tout est pour le mieux. Merci, 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 magie de la vacuité et de la sagesse féminine en action, la Dakini danse, la grâce de sa magie divine, déesse magicienne, la danseuse du ciel vient de vous ouvrir ses bras, offrez-lui votre rayonnance, tout est pour le mieux, merci, je rentre dans tes bras ouverts, Dakini, son mouvement est une danse offerte à la beauté, son mouvement est une danse offerte à la beauté, tout son corps mu par l'esprit divin crée les synchronicités, les formes parfaites de la vérité céleste pour vous, divine magie émanante de grâce, le dessein divin est à l'œuvre, merci, merci, merci. Son mouvement est une danse offerte à la beauté, tout son corps mu par l'esprit divin crée les synchronicités, les formes parfaites de la vérité céleste pour vous, divine magie émanante de grâce, le dessein divin est à l'œuvre. Merci, 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 merci. Dakini, déesse hindoue, souvent représentée dansant dans le cosmos, nue, symbolisant ainsi la perfection de la vérité nue. Son mouvement est une danse offerte à la beauté, tout son corps mu par l'esprit divin crée les synchronicités et les formes parfaites de la vérité céleste pour vous. Divine magie émanante de grâce, le dessein divin est à l'œuvre. Carte le monde, réalisation dans tous les domaines, réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait. Le monde, réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait, réalisation dans tous les domaines, le monde, réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait, réalisation dans tous les domaines, le monde, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait, sous le regard bienveillant, des quatre gardiennes du ciel, tu es apparu, tu es devenu, revenu, ta pierre philosophale, symbole suprême de ton alchimie, tu es maintenant une prière vivante pour le monde. Sous le regard bienveillant des quatre gardiennes du ciel, tu es apparu, tu es devenu, revenu, ta pierre philosophale, symbole suprême de ton alchimie, tu es maintenant une prière vivante pour le monde. Offre-toi tous les domaines de réalisation. Et offre toutes tes réalisations au monde, j'offre toutes mes réalisations au monde, ton âme comblée t'apparaîtra sûre, aguerrie, en paix, en félicité et sage, vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces, tu es riche de toi, rends le monde riche de ta présence et tu seras comblé. Tous les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans un même bonheur, ton cœur alchimique se réalise et t'attend, ta vie devient l'ordonnancement divin de ta réalisation, toutes tes perfections. Merci, 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 merci à la divinité, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, j'offre au monde mes réalisations, donc en ce moment, la traduction de mon livre, c'est aussi pour offrir au monde, notamment au monde anglophone, puis ensuite peut-être au monde de langue espagnole, et etc. Ma réalisation, mon livre, réalisation dans tous les domaines, succès, triomphe, accomplissement, naissance, voyage, monde, accord parfait. Sous le regard bienveillant des cartes gardiennes du ciel, tu es apparu, tu es devenu, revenu. Ta pierre philosophale, symbole suprême de ton alchimie, tu es maintenant une prière vivante pour le monde. Offre-toi tous les domaines de réalisation et offre toutes tes réalisations au monde. J'offre toutes mes réalisations au monde. Ton âme comblée t'apparaîtra sûre, aguerrie, en paix, en félicité et sage. Vis à partir d'espaces comblés et comble tous tes espaces. Tu es riche de toi, rends le monde riche de ta présence et tu seras comblé. Tous les domaines de ta vie sont importants à mes yeux et tu as maintenant le pouvoir de les réunir dans un même bonheur. Ton cœur alchimique se réalise et t'attend. Ta vie devient l'ordonnancement divin de ta réalisation. Tout est perfection. Merci beaucoup de ces mots. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Magie divine de la Dakini. Par les mains de Marie, ma mère. Mère divine, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Mon corps, mon temple, mon royaume, mon corps, mon temple, mon royaume, mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et dans la conscience de notre royauté. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et dans la conscience de notre royauté. La noblesse est la marque des rois, le corps en est la demeure, le royaume, le temple. La noblesse est la marque des rois, le corps en est la demeure, le royaume, le temple. En tant que tel, il honore votre présence sacrée, ce corps est votre royaume. Apprenez-en les principes, les lois. Personne ne pénètre un temple en bafouant ses principes, on y pénètre en l'honorant et en se sentant honoré d'y être accueilli. P.
pénétrer sa grandeur et ses mystères, demande d'y être reçu comme un roi. La noblesse est la marque des rois, le corps en est la demeure, le royaume, le temple. En tant que tel, il honore votre présence sacrée, ce corps et votre royaume. Apprenez-en les principes, les lois. Personne ne pénètre un temple en bafouant ses principes. On y pénètre en l'honorant et en se sentant honoré d'y être accueilli. Pénétrer sa grandeur et ses mystères demande d'y être reçu comme un roi. Il est dédié à la splendeur de notre être. Il appelle l'intégrité absolue. Ce royaume est précieux. Aucune pensée ou jugement intérieur ne saurait y être accepté. Aucun acte préjudiciable ne saurait y être perpétré. Aucune parole non révérencieuse ne saurait y être proférée. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et dans la conscience de notre royauté. Médire son empire, empire son état. En cela, nous sommes responsables de notre état. Médire son empire, empire son état. En cela, nous sommes responsables de notre état. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et dans la conscience de notre royauté. En vérité, chacune de nos actions est un acte royal. Chaque aliment ingéré est un mets de roi, une offrande à ce temple de l'âme et de l'être qui est notre corps. En vérité, chacune de nos actions est un acte royal. Chaque aliment ingéré est un mets de roi, une offrande à ce temple de l'âme et de l'être qui est notre corps. Voici notre temple intérieur, il est dédié à la beauté, il est le royaume de la vérité et de la pureté. Respect. Voici notre temple intérieur, il est dédié à la beauté, il est le royaume de la vérité et de la pureté. Respect. En toi je danse, pour toi je danse, pour toi et moi je nous célèbre. Tu es mon temple, tu es mon royaume. Par mon amour je te consacre, je reconnais ta puissance et ta beauté, je permets à ta lumière d'irradier mon être. Ainsi aujourd'hui commence le sacre où je t'honore, te bénis et te célèbre infiniment, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, mon corps, en toi je danse, pour toi je danse, en toi je danse, pour toi je danse, en toi je danse, pour toi je danse, en toi je danse, pour toi je danse. Pour toi et moi, je nous célèbre, pour toi et moi, je nous célèbre, tu es mon temple, tu es mon royaume, par mon amour, je te consacre, je reconnais ta puissance et ta beauté, je permets à ta lumière d'irradier mon être, ainsi, aujourd'hui, commence le sacre où je t'honore, te bénis et te célèbre infiniment, qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, toi, mon corps, par les mains de Marie, ma mère, amen, tu me permets de pouvoir faire ces prières, de pouvoir marcher, de pouvoir contempler le monde, de pouvoir aimer, de pouvoir caresser mes chats, de pouvoir avancer, de pouvoir écrire, de pouvoir me réaliser, de pouvoir aimer. En toi je danse, pour toi je danse, pour toi et moi je nous célèbre, tu es mon temple, tu es mon royaume, par mon amour je te consacre, je reconnais ta puissance et ta beauté, je permets à ta lumière d'irradier mon être, ainsi aujourd'hui commence le sacre où je t'honore, te bénis et te célèbre infiniment, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, merci. Amen. La porte de la vie, la porte de la vie. Troisième carte, la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. La porte de la vie, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Merci. La proposition de la vie. S'ouvrir à soi, à la plus grande réalisation de notre être, c'est s'ouvrir à la vie, en grand et en petit à chaque instant. Cela demande l'indispensable accueil de notre être en nous-mêmes. Prendre conscience et s'engager à s'honorer soi, s'aimer soi-même suffisamment et prendre soin de soi chaque jour assez pour pouvoir suivre le plan divin et accepter parfois de laisser la meilleure place à l'autre. Ouvrir l'espace de la porte de la vie, c'est aussi venir rencontrer ceux qui s'y vivent, peut-être aussi libérés d'anciennes peurs, d'anciennes croyances sur le droit ou la légitimité à prendre sa place. La proposition de la vie, s'ouvrir à soi, à la plus grande réalisation de notre être, c'est s'ouvrir à la vie, en grand et en petit à chaque instant. La proposition de la vie, s'ouvrir à soi, à la plus grande réalisation de notre être, c'est s'ouvrir à la vie, en grand et en petit à chaque instant. Cela demande l'indispensable accueil de notre être en nous-mêmes. Prendre conscience et s'engager à s'honorer soi, s'aimer soi-même suffisamment et prendre soin de soi chaque jour, assez pour pouvoir suivre le plan divin et accepter parfois de laisser la meilleure place à l'autre. Ouvrir l'espace de la porte de la vie, c'est aussi venir rencontrer ce qui s'y vit, peut-être aussi libérer d'anciennes peurs, d'anciennes croyances sur le droit ou légitimité à prendre sa place. Rencontrer cet espace, c'est aussi
Venir sentir à quel degré nous avons accepté d'être honorés par la vie et ses bienfaits. Rencontrer cet espace, c'est aussi venir sentir à quel degré nous avons accepté d'être honorés par la vie et ses bienfaits. Comment est notre foi en la bienveillance de la vie à notre égard? Comment est notre foi en la bienveillance de la vie à notre égard? À combien avons-nous la certitude, l'inébranlable foi que tous nos dons d'amour sont honorés et mille fois remerciés par la vie? À combien avons-nous la certitude, l'inébranlable foi que tous nos dons d'amour sont honorés et mille fois remerciés par la vie? Rencontrer cet espace est aussi venir sentir à quel degré nous avons accepté d'être honorés par la vie et ses bienfaits. Comment est notre foi en la bienveillance de la vie à notre égard? À combien avons-nous la certitude, l'inébranlable foi que tous nos dons d'amour seront honorés et mille fois remerciés par la vie? De la même façon, honorer la place que la vie nous offre lorsque c'est à nous qu'elle offre la meilleure place, sans orgueil ni vanité, mais avec gratitude, oser la prendre au-delà des conventions et fausses politesses, parce qu'en cet instant, c'est nous que la vie honore pour un bref instant. Accepter cette place en sachant qu'il faudra la laisser à d'autres un jour avec la même grâce et la même gratitude. Honorer la vie en nous, ouvrir, laisser respirer et libérer l'espace de notre ara, de notre matrice, pour pouvoir accueillir et offrir la vie généreusement. Ce lieu de pouvoir et de puissance est le siège de notre sécurité, de notre stabilité, nous permet d'œuvrer à notre réalisation concrète. Honorer la vie en nous, ouvrir, laisser respirer et libérer l'espace de notre ara et de notre matrice, pour pouvoir accueillir et offrir la vie généreusement. Ce lieu de pouvoir et de puissance est le siège de notre sécurité, de notre stabilité, nous permet d'œuvrer à notre réalisation concrète. Cette carte appelle chacun de nous à accueillir la puissance et la beauté de son être pour honorer et prendre sa juste place en temps et en heure, en accord avec le plan divin et sa proposition. Donc je reviens sur ce kairos, le temps parfait. Cette carte appelle chacun de nous à accueillir la puissance et la beauté de son être pour honorer et prendre sa juste place en temps et en heure, en accord avec le plan divin et sa proposition. Prière à mon être, j'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits. J'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits. Merci, merci, merci. J'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits. D'honorer et de nourrir mon être d'or et de lumière. D'honorer et de nourrir mon être d'or et de lumière pour servir plus grand chaque être sur cette planète. Pour servir plus grandement chaque être sur cette planète. En gratitude pour ce qui m'est offert de vivre et de partager. Merci. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. J'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits. J'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits, d'honorer et de nourrir mon être d'or et de lumière pour servir plus grandement chaque être sur cette planète. En gratitude pour ce qui m'est offert de vivre et de partager, merci, merci, merci. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. J'accepte d'être honoré par la vie et ses bienfaits, d'honorer et de nourrir mon être d'or et de lumière pour servir plus grandement chaque être sur cette planète, en gratitude pour ce qui m'est offert de vivre et de partager. Merci, merci, merci. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Porte de la vie, porte de la vie, porte de l'amour, porte de la gestation de toutes mes créations. Merci et mille fois merci. Porte de la vie, porte de l'amour, porte de la gestation de toutes mes créations. Merci et mille fois merci. Divine matière qui contient ma divine matrice, divine matière qui contient ma divine matrice, divine matière qui m'a offert à la vie, divine matière qui m'a offert à la vie, je t'offre à la vie, au soleil, à la mer et à l'amour. Comme tu m'y as offert, j'honore les secrets et les mystères que tu contiens encore, porte de lumière, porte de l'immensité, ouvre en moi les mondes du suprême, divine sagesse, divine puissance, en toi je me reconnais, avec toi je renais à la belle histoire de la vie et de l'amour sur terre, merci et mille merci encore. Porte de la vie, porte de l'amour, porte de la gestation de toutes mes créations, merci et mille fois merci. Divine matière qui contient ma divine matrice, divine matière qui m'a offert à la vie. Je t'offre à la vie, au soleil, à la mer et à l'amour comme tu m'y as offert. J'honore les secrets et les mystères que tu contiens encore. Porte de lumière, porte de l'immensité. Ouvre en moi les mondes du suprême, divine sagesse, divine puissance. En toi je me reconnais. Avec toi je renais à la belle histoire de la vie et de l'amour sur terre. Merci et mille fois. Merci encore. Porte de la vie, porte de l'amour, porte de la gestation de toutes mes créations, merci et mille fois merci. Divine matière qui contient ma divine matrice, divine matière qui m'a offert à la vie.
Je t'offre à la vie, au soleil, à la mer et à l'amour comme tu m'y as offert. J'honore les secrets et les mystères que tu contiens encore, porte de lumière, porte de l'immensité, ouvre en moi les mondes du suprême, divine sagesse, divine puissance, en toi je me reconnais, avec toi je renais à la belle histoire de la vie et de l'amour sur terre. Merci et mille merci encore. Art, magie et mystère, art, magie et mystère, le chariot, être femme et homme sur cette terre. Quand l'art, cette union de l'être et du faire en nous se met au service de la vie, il devient le divin parce qu'il sert la vie et ce divin en nous. Quand l'art, cette union de l'être et du faire en nous se met au service de la vie, il devient le divin parce qu'il sert la vie et ce divin en nous. Quand l'art, cette union de l'être et du faire en nous se met au service de la vie, il devient le divin parce qu'il sert la vie et ce divin en nous. Le mystère du féminin est cette capacité, cet ensemble de particularités que le principe féminin possède naturellement et qui cherche la puissance de vie dans son complément, le masculin, pour célébrer, faire circuler et créer la vie en toute chose. Le mystère du féminin est cette capacité, cet ensemble de particularités que le principe féminin possède naturellement et qui cherche la puissance de vie de son complément, le masculin, pour célébrer, faire circuler et créer la vie en toute chose. La magie du masculin est cette lumière qu'il porte, cette conscience éclairante dédiée à la paix sur terre que le masculin révélé sert lorsque son cœur s'est ouvert à sa douceur. La magie du masculin est cette lumière qu'il porte, cette conscience éclairante dédiée à la paix sur terre que le masculin révélé sert lorsque son cœur s'est ouvert à sa douceur. La femme est une initiatrice, sa matrice est un lieu d'alchimie, de magie profonde et rare. La femme est une initiatrice. Sa matrice est un lieu d'alchimie, de magie profonde et rare. La sagesse du féminin se trouve dans ses entrailles et dans son cœur. La sagesse du féminin se trouve dans ses entrailles et dans son cœur. Quand la femme a uni sa puissance à l'amour qu'elle porte, elle devient une initiatrice. Quand la femme a uni sa puissance à l'amour qu'elle porte, elle devient une initiatrice pour l'homme qui vit à ses côtés, pour ses enfants, mais aussi pour l'humanité tout entière. L'homme, porteur de lumière, capable d'illuminer la matière et de la porter jusqu'au plus haut des cieux. Divin homme rendu au mystère, qui serve avec courage et altruisme la conscience et l'évolution de l'humanité. L'homme, porteur de lumière, capable d'illuminer la matière et de la porter jusqu'au plus haut des cieux. Divin homme rendu au mystère, qui serve avec courage et altruisme la conscience et l'évolution de l'humanité. La terre vous remercie. Voilà notre parcours de femme et d'homme aimé, aimant et conscient, offert à la vie, femme magicienne, homme offert au mystère, capable d'accueillir la magie dans nos grottes sacrées, de manifester avec amour pour créer la vie, le royaume divin sur terre, d'alchimiser par notre rayonnement d'être l'or le plus fin et le plus subtil qui soit. Femme magicienne, homme offert au mystère, capable d'accueillir la magie dans nos grottes sacrées, de manifester avec amour pour créer la vie, le royaume divin sur terre, d'alchimiser par notre rayonnement d'être, l'or le plus fin et le plus subtil qui soit. Femme magicienne, homme offert au mystère, capable d'accueillir la vie, le royaume divin sur terre, d'alchimiser par notre rayonnement d'être, l'or le plus fin et le plus subtil qui soit. Une profonde magie existe en nous, faite de profonde alchimie intérieure, l'art d'aimer, d'être soi et de manifester la matière. Une profonde magie existe en nous, faite de profondes alchimies intérieures, l'art d'aimer, d'être soi et de manifester la matière. Érigé par la puissance du masculin, ouvert par la créativité du féminin, nous sommes et exprimons l'art d'être femme et homme sur terre. Érigé par la puissance du masculin, ouvert par la créativité du féminin, nous sommes et exprimons l'art d'être femme et homme sur terre. À travers les rires, les projets, les larmes de guérison, de grands rituels ainsi que nos créations puissantes, allons ensemble jusqu'à la révélation du mystère de notre divine humanité. À travers les rires, les projets, les larmes de guérison, des grands rituels ainsi que nos créations puissantes, allons ensemble jusqu'à la révélation du mystère de notre divine humanité. Plusieurs cartes de ce jeu décrivent ces étapes. Cette carte symbolise l'expression la plus élevée de l'être, l'art, la magie et le mystère en nous. Le message pour vous aujourd'hui est de prendre conscience du chemin parcouru, de celui qui reste à faire et de vous éclairer sur l'importance de l'art et de nos créations dans la vision d'une humanité plus juste. Nous sommes les artistes et les artisans de notre vie, que notre œuvre au seuil de notre vie soit le reflet de ce que nous sommes. Le message de votre âme à travers cette carte, si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel.
Une partie de sa sécurité est souvent le désir de plaire afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel. Une partie de sa sécurité est souvent le désir de plaire afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Si vous êtes un homme, le message de la carte pour vous vous appelle à tendre l'oreille de plus près à votre énergie féminine et créative. Vous savez ériger par votre force et votre puissance masculine. Vous savez construire et organiser. Vous savez investir dans ce monde. Vous avez vaincu vos doutes, reconnu votre courage et vous avez accepté d'apporter votre vision à ce monde. Vous savez agir promptement et efficacement, vénérer cette puissance et ses savoir-faire en vous. Tendez l'oreille, ensuite ajustez la tendresse de votre regard pour venir rencontrer votre délicatesse. Le mystère du féminin et du masculin unis vous attendent et s'ouvrent à votre compréhension. Regardez les femmes autour de vous, regardez-les vivre et sentez cette part sensible et fine vibrer en vous afin de devenir conscient des vibrations et atmosphères qui vous entourent. Accueillez votre déesse intérieure, unissez-la à l'homme divin en vous. Honorez et célébrez vos noces intimes. Vous êtes cette manifestation alchimique née de cette unité et le porteur de votre unicité dont la vie célèbre la présence. Le chariot réussit talent. Le chariot réussit talent. J'avance et je triomphe. Je mets l'œuvre en mouvement. Je mets mes talents en scène. J'œuvre pour ma vie. Je mets toutes mes forces au service de ma direction. J'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Le triomphe de mon action est assuré car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires. Dans une action engagée et engageante, j'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie, je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ce dont la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité. Merci, merci, merci. Et enfin, évolution et révolution multiple. Évolution et révolution multiple. Je remercie aussi d'avoir pu faire cet enregistrement dans le calme, que mes chats soient presque tous à l'extérieur, que cela est bon. Je remercie que cela se produise souvent, s'il vous plaît, et qu'ils soient bien heureux d'être à l'extérieur et tous en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, voici ce que je demande. Évolution et révolution multiple. Évolution et rêve. Évolution multiple. Évolution et rêve. Évolution multiple. Voir notre processus d'évolution comme un organisme vivant. Voir notre processus d'évolution comme un organisme vivant. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe en ce moment, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins. Car en nous, tout est relié, tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. C'est pour cette raison que parfois un blocage résiste, se fait entendre plus fort que les autres et que malgré nos efforts, la solution n'arrive pas. Lorsque cela se produit, la vie nous montre simplement que cet aspect particulier est relié à d'autres aspects plus profonds, d'autres besoins insatisfaits en nous. Il est inutile de vous efforcer de faire courir quelque chose qui a besoin de marcher paisiblement. La meilleure chose à faire en ce moment est de vous faire confiance et de lâcher ce qui vous préoccupe pour répondre à un autre de vos besoins, que cet autre besoin soit de vous reposer, créer, jouer, dormir ou vous occuper d'un autre aspect de votre vie, car même si vous ne le voyez pas, lorsque vous avancez sur un sujet différent, vous avancez sur la problématique qui vous préoccupe. Tout avancement fait avancer ensemble. Il ne s'agit pas de fuir, plutôt de multiplier les possibilités d'inspiration. Ayez confiance en vous et en votre maturité. Vous savez faire la différence entre fuir un problème et vous donner une respiration pour mieux avancer. En réalité, notre évolution se fait par plusieurs biais à la fois. Notre évolution intérieure et spirituelle progresse par la remise en question de beaucoup d'anciennes vérités. Plusieurs croyances plus ou moins profondes et touchant des domaines différents participent au maintien d'un même blocage. Toutes ces petites révolutions intérieures servent notre être, notre rêve évolution. À l'image de la structure invisible d'Umrazai, tout en nous est lié. Notre chimie intérieure côtoie notre avancement dans la reconnaissance de nous-mêmes. Lorsque vous œuvrez à unir vos polarités masculines et féminines, vous œuvrez à unir tous vos paradoxes autant qu'à la paix dans le monde. Lorsque vous unissez en vous l'esprit et la matière, vous participez à résoudre une difficulté par rapport à votre juste place et juste expression en ce monde. Ce tirage aujourd'hui vous indique que vous êtes fatigué un peu là d'une difficulté que vous peinez à résoudre ou voire terminer. La vie vous offre une vision plus large et plus intéressante. Voir votre processus d'évolution comme un organisme vivant.
Tous les systèmes de notre corps communiquent et sont interreliés, ils agissent et interagissent en même temps. Parfois un système prend le dessus sur un autre parce qu'il répond à une priorité, parfois c'est un autre. Cependant tout cela sert le bon fonctionnement, la bonne santé de notre organisme. Votre évolution intérieure fonctionne de la même façon. Le message que la vie vous offre aujourd'hui est celui-ci. Tout est pour le mieux, votre avancée répond harmonieusement à l'ensemble de vos besoins, avec plus d'intelligence que vous ne pourriez l'imaginer. Laissez l'intelligence sacrée de la vie vous aider, écoutez votre corps et vos envies sont justes, vous n'êtes ni fainéant ni lâche lorsque vous répondez à vos besoins et vos envies. Lâchez sur ce sur quoi vous butez et vous obstinez et répondez à un autre de vos besoins. Restez ouvert à recevoir tous les messages et toutes les inspirations et continuez votre marche intérieure vers plus de joie, plus de respect, plus d'amour envers vous. Vous avez fait de votre mieux et cela est bien, soyez content, satisfait de vous, reposez-vous. Créez, jouez, passez à autre chose, aimez-vous plus et mieux encore, votre solution viendra d'elle-même car tout, votre être et tout, l'univers participe à votre rêve évolution. Habitez notre silence et laissez fleurir est parfois le mieux que nous ayons à faire. Merci, 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 au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amen, je vais prier l'ange du jour, Kaliel, un ange de justice, Kaliel, Kaliel. Kaliel, pouvoir obtenir justice, Kaliel, ange trône avec le recteur de ce cœur des trônes, l'archange Binael, Kaliel, justice, puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, psaume 94, 7, puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, Dieu nous parle de multiples façons, Dieu parle par notre corps, par l'intérieur de notre corps, comme une voix, comme une intuition, il parle au travers de chaque événement autour de nous. Il parle au travers des autres êtres, il parle aussi à travers ses anges, parfois ses anges qui viennent en nous, dans notre voix. Il parle par rapport à nos ressentis, nos émotions, il parle par rapport à nos réussites, à nos échecs, il parle de multiples façons. Il est en nous et il est autour de nous, il est le tout. Puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, psaume 94, 7, « Quand reviendra le nouveau Christ glorieux ?» Aujourd'hui même, pour ceux qui sont capables d'aller de l'avant, de ne voir que le présent et de faire abstraction du passé, bon ou mauvais, il faut jeter aux orties les mauvais souvenirs et les bons aussi, il faut tout recommencer aujourd'hui. Aide-moi, s'il te plaît, divin Kaliel, à orienter ma vie vers le monde à venir, vers une vie nouvelle, à chaque lune nouvelle, un objectif nouveau à chaque lever de soleil et à chaque instant un pas en avant sans jamais regarder en arrière. L'ange, le Christ universel, et amour et fraternité, vérité et justice, liberté. Le Christ universel et amour et fraternité, vérité et justice, liberté, c'est la Jérusalem céleste. Jésus-Christ, Jérusalem céleste. Le Christ universel et amour et fraternité, vérité et justice, liberté, c'est la Jérusalem céleste, l'arbre invaincu de la croix qui élève. Et ton chant, ta prière, est rempli de justice qui est servir Dieu et ses frères dans la joie. Sois sage comme un aigle et prudent comme un tigre. Fais, s'il te plaît, Kaliel, ange de la justice primordiale, que je sois juste envers moi et envers les autres, c'est-à-dire foncièrement bon comme et infiniment bon mon égo-dieu créé intérieur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie ma mère, pouvoir obtenir aujourd'hui 25 janvier 2021, 25 ou 26, 26 aujourd'hui, Kaliel, 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 ange trône, avec l'aide de l'archange Binael, puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, psaume 94, 7, quand reviendra le nouveau Christ glorieux, aujourd'hui même, pour ceux qui sont capables d'aller de l'avant, de ne voir que le présent, et de faire abstraction du passé, bon ou mauvais, il faut jeter aux orties les mauvais souvenirs et les bons aussi, il faut tout recommencer aujourd'hui. Aide-moi, s'il te plaît, divin Kaliel, 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 à orienter ma vie vers le monde à venir, vers une vie nouvelle, à chaque lune nouvelle, un objectif nouveau à chaque lever de soleil, et à chaque instant, un pas en avant, sans jamais regarder en arrière. L'ange, le Christ universel, est amour et fraternité, vérité et justice, liberté, c'est la Jérusalem céleste. Amour et fraternité, vérité et justice, liberté, c'est la Jérusalem céleste. L'arbre invaincu de la croix qui élève. Et ton chant, ta prière, est rempli de justice, qui est servir Dieu et ses frères dans la joie. Sois sage comme un aigle et prudent comme un tigre. Fais s'il te plaît, Kaliel, ange de la justice primordiale, que je sois juste envers moi et envers les autres, c'est-à-dire foncièrement bon comme et infiniment bon mon égo-dieu intérieur. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. En ce 26 janvier 2021,
pouvoir obtenir justice, Kaliel, ange trône, avec l'aide de Binael, archange recteur du cœur des trônes, puissiez-vous entendre aujourd'hui sa voix, psaume 94, 7. Quand reviendra le nouveau Christ glorieux? Aujourd'hui même, pour ceux qui sont capables d'aller de l'avant, de ne voir que le présent et de faire abstraction du passé, bon ou mauvais, il faut jeter aux orties les mauvais souvenirs et les bons aussi, il faut tout recommencer aujourd'hui. Aide-moi, s'il te plaît, divin Kaliel, 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 à orienter ma vie vers le monde à venir, vers une vie nouvelle à chaque lune nouvelle, un objectif nouveau à chaque lever de soleil et à chaque instant, un pas en avant sans jamais regarder en arrière. L'ange, le Christ universel est amour et fraternité, vérité et justice, le Christ universel est amour et fraternité, vérité et justice, liberté. Le Christ universel est amour et fraternité, vérité et justice, liberté. Le Christ universel est amour et fraternité, vérité et justice, liberté. C'est la Jérusalem céleste, l'arbre invaincu de la croix qui élève. Et ton chant, ta prière est remplie de justice qui est servir Dieu et ses frères dans la joie. Sois sage comme un aigle et prudent comme un tigre. Fais Kaliel, s'il te plaît, ange de la justice primordiale, que je sois juste envers moi et envers les autres, c'est-à-dire foncièrement bon comme et infiniment bon, mon égo Dieu intérieur. Merci Kaliel, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, Kaliel, ainsi soit-il. Amen. Kaliel, Kaliel, Kaliel. Le mot du jour aujourd'hui, 26 janvier, le mot du jour est perfection. Perfection. Que la traduction de mon livre et toutes mes actions soient parfaites, c'est-à-dire selon la volonté divine, c'est cela la perfection, pour le bien de tous, le plus grand bien de tous, que la volonté divine agisse en moi. Kaliel, Kaliel, noble ange Kaliel, esprit racine de la vie, moteur du monde, libère-moi des lourds poids matériels et des règles et mesures contraignantes, efface les conséquences de mes erreurs, purifie mes sentiments et mes pensées, fais descendre sur moi ton essence divine, c'est ainsi que je pourrai vivre plus intensément et être plus utile à mes compagnons de vie, à moi-même et à l'œuvre divine du monde. Merci Kaliel, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Initiation ésotérique, la personne comprendra la justice divine, celle que l'ange veut lui faire comprendre, elle l'exprimera et sera en même temps magistrat et mage, elle connaîtra les lois cosmiques et celles qui permettent la réalisation de tous les miracles. Initiation ésotérique, la personne comprendra la justice divine, celle que l'ange veut lui faire comprendre, elle l'exprimera et sera en même temps magistrat et mage, il connaîtra les lois cosmiques, celles qui permettent la réalisation de tous les miracles. Travail, l'individu recevra des honneurs dans son travail et même des demandes en mariage. Magistrat de grande renommée, grand avocat, convaincant par sa dialectique, il arrive aisément à transmettre ses certitudes. Noble ange Kaliel, esprit racine de la vie, moteur du monde. Noble ange Kaliel, esprit racine de la vie, moteur du monde. Libère-moi des lourds poids matériels et des règles et mesures contraignantes. Efface les conséquences de mes erreurs, purifie mes sentiments et mes pensées. Fais descendre sur moi ton essence divine, c'est ainsi que je pourrai vivre plus intensément et être plus utile à mes compagnons de vie, à moi-même et à l'œuvre divine du monde. Merci. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, hein. Ainsi soit-il, à 15h15. Amen. Noble ange Kaliel, esprit racine de la vie, moteur du monde, libère-moi des lourds poids matériels et des règles et mesures contraignantes, efface les conséquences de mes erreurs, purifie mes sentiments et mes pensées. Fais descendre sur moi ton essence divine, c'est ainsi que je pourrai vivre plus intensément et être plus utile à mes compagnons de vie, à moi-même et à l'œuvre divine du monde. Merci, 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 Kaliel, au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Kaliel, merci, amen, 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 Kaliel, 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 26 janvier, pouvoir connaître les secrets de l'unité cosmique, ressentir la nécessité absolue de s'unir avec autrui. Désir de solidarité, de fusion amicale avec des êtres complémentaires qui apparaîtront inéluctablement. Que ces êtres apparaissent, puisque c'est inéluctable, Kaliel. Pouvoir connaître les secrets de l'unité cosmique, pouvoir connaître les secrets de l'unité cosmique, ressentir la nécessité absolue de s'unir avec autrui. Kaliel, pouvoir connaître les secrets de l'unité cosmique, ressentir la nécessité absolue de s'unir avec autrui. Désir de solidarité, de fusion amicale avec des êtres complémentaires qui apparaîtront inéluctablement. Kaliel, invocation, Kaliel, ange, Kaliel, 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 ouvre-moi, Seigneur Kaliel, l'œil de l'intelligence. J'ai soif de connaissances nouvelles, utiles, qui constitueront la clé de la plénitude de mon âme et de la réussite de ma vie quotidienne. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Kaliel, par les mains de Marie, ma mère, ange de justice, amen.
Caliel, ouvre-moi, Seigneur Caliel, s'il te plaît, l'œil de l'intelligence. J'ai soif de connaissances nouvelles, utiles, qui constitueront la clé de la plénitude de mon âme et de la réussite de ma vie quotidienne. Merci au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Caliel. Pour voir connaître les secrets de l'unité cosmique, ressentir la nécessité absolue de s'unir avec autrui, désir de solidarité, de fusion amicale avec des êtres complémentaires qui apparaîtront inéluctablement. Caliel, 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 invocation, ouvre-moi, Seigneur Caliel, s'il te plaît, l'œil de l'intelligence, j'ai soif de connaissances nouvelles, utiles, qui constitueront la clé de la plénitude de mon âme et de la réussite de ma vie quotidienne. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, Caliel, merci. Amen. En numéro 18, Caliel, avec une balance comme qui représente la justice, Caliel, ce que tu penses est juste. On te fera justice. Si tu es en train de vivre dans l'adversité, tu recevras un secours rapide. Ton innocence sera reconnue. La personne est innocente. Dans un procès, la vérité resplendira. La personne avec qui tu es en rapport est juste et intègre. Il y a en toi un grand amour de la vérité qui te portera à connaître les lois du monde. Tu devrais faire des études de droit. Tu pourrais devenir un grand avocat, un grand juge. Prière à l'ange Caliel. Seigneur, que mon intelligence soit toujours au service des causes justes. Libère-moi de la tentation d'utiliser mon ingéniosité dans de vains étalages de mes facultés. Fais que ma logique soit toujours ta logique. Ne sépare jamais de moi ton éternelle bonté. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen, Seigneur Caliel, que mon intelligence, s'il te plaît, soit toujours au service des causes justes. Libère-moi de la tentation d'utiliser mon ingéniosité dans de vains étalages de mes facultés. Fais que ma logique soit toujours ta logique, ne sépare jamais de moi ton éternelle bonté. Au nom du Père, du Fils, ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. L'ange Caliel exhorte, j'ai voulu que tu sois pèlerin, le messager de ma justice, celui qui ressent l'adversité d'autrui comme si on lui arrachait sa propre peau, et qu'il faut au plus vite mettre fin au supplice, c'est ainsi que tu dois agir au nom de l'amour sur toute chose. L'injustice envers les animaux, tout ce qui se passe dans les abattoirs, voilà ce que je dénonce. Ce qu'il faut changer, que ceci soit changé par mes prières, s'il vous plaît, les anges. Changez cela, changez le monde. Changez cette cruauté. Transmutez tout ceci pour que tous nous prenions soin des animaux. Seigneur Caliel, que mon intelligence soit toujours au service des causes justes. Libère-moi de la tentation d'utiliser mon ingéniosité dans de vains étalages de mes facultés. Fais que ma logique soit toujours ta logique. Ne sépare jamais de moi ton éternelle bonté. Au nom du Père, du Fils, ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, justice, par les mains de Marie, ma mère, Caliel, l'ange Caliel exhorte, j'ai voulu que tu sois pèlerin, le messager de ma justice, celui qui ressent l'adversité d'autrui comme si on lui arrachait sa propre peau, et qu'il faut au plus vite mettre fin au supplice, c'est ainsi que tu dois agir au nom de l'amour sur toute chose. Merci, faites cela, entendez ma prière, que tous ces cruautés envers les animaux cessent, de toute façon tout est lié, donc que quand cela cessera, les hommes arrêteront aussi d'être cruels, qu'ils commencent par arrêter d'être cruels envers les animaux, qu'ils respectent chaque forme de vie, s'il vous plaît les anges, apprenez-leur à faire cela, que Jésus-Christ et le Père Céleste et le Saint-Esprit descendent sur terre pour modifier toutes ces choses, pour le plus grand bien de tous, c'est-à-dire tous les règnes. Je entendais ma prière, s'il vous plaît, Caliel, Bina, El, Archange, Michael, Memnod, Kaphalef, Lamed, Marie, Jésus, Joseph, Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée, au roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Merci, Amen, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de notre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, daignez nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Amen. Saint François d'Assise, priez pour moi, priez pour nous, priez pour les animaux. Saint Roch, priez pour moi, priez pour nous, priez pour les animaux. Que tous les saints prient pour moi, prient pour nous, prient pour les animaux. Merci, notre Père, fils aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il.
Amen, Kaliel, ange de justice, fais que la justice de l'amour règne entre toutes les espèces vivantes. S'il vous plaît, mon bon ange, vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon très sage conseiller, mon très fidèle ami, qu'il est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un prince du ciel, quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours en votre présence, je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez, et j'ai confiance en votre appui, puisque vous êtes toujours à mes côtés, gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, vivifiez-moi, permettez-moi de vous voir, vous, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout l'invisible, le côté bien de l'invisible, les élémentaux. Allez voir les anges gardiens de tous mes animaux, de toutes les personnes avec qui je suis en contact ou serai en contact, pour que nous agissions tous pour le plus grand bien de tous et selon la volonté divine et l'imposition du royaume de Dieu sur terre, la nouvelle Jérusalem. Retenez-moi aussi dans les tentations, priez avec moi et pour moi, faites enfin que je me sauve par votre aide, ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Mon ange gardien, merci au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Parlez-moi de Marie, ma mère, ainsi soit-il, amen. Présence à l'âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin. Je suis la pureté que Dieu désire, présence à l'âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin. Je suis la pureté que Dieu désire, présence à l'âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin. Je suis la pureté que Dieu désire, présence à l'âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin. Je suis la pureté que Dieu désire, présence à l'âme, je suis un être de feu rose de l'amour divin. Je suis la pureté que Dieu désire, merci, amen, alléluia, Hare Krishna, Jaya, Om, merci, 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 amen, alléluia, Jaya, Krishna. Om. Alléluia.